Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment tracer la droite parallèle à une droite passant par un point. Donc ici, nous allons tracer la droite parallèle à la droite D passant par le point A. Donc pour cela, nous allons tracer en fait deux perpendiculaires. Donc nous allons d'abord tracer une première perppendiculaire à la droite D. Donc nous positionnons l'équerre pour nous mettre perpendiculaire à la droite D. Et cette première perpendiculaire va être un trait de construction. Elle va nous permettre de tracer ensuite la parallèle. Donc ensuite, nous allons nous positionner perpendiculairement à cette première droite tracée. Et cette deuxième perpendiculaire, nous allons la faire passer par le point A. Et c'est en fait cette droite qui va être parallèle à la droite D. Comme ceci. Donc nous avons obtenu ici en rouge la droite parallèle à la droite D passant par le point A. Et pour cela, nous avons donc tracé deux perpendiculaires, donc une perpendiculaire qui est un trait de construction. Et notre droite est parallèle, puisque on utilise en fait la propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.